j'allais éternuer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du passage primaire-secondaire parce que oui, c'est une grosse étape dans une vie. Et moi, je veux un peu vous en parler. Ça va un peu rentrer dans le thème de la rentrée. D'ailleurs, je vais vous dire, il reste encore 2 vidéos. Puis ce sera la fin de la série Back to School. Oh my god! Ah non, ça a passé super vite. Puis je suis vraiment désolée si j'ai pas pu filmer de vidéo la semaine passée et la semaine d'avant aussi. Mais c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui passent dans ma vie. Fait que je devais un peu partir de YouTube puis me concentrer sur ma vie. Puis après, là, je fais un comeback comme un boomerang, ok? Tu vois, comme un boomerang, tu lances et après il revient, ok? Mais moi, j'étais partie, maintenant je reviens. Fait que je vais vous parler du passage primaire-secondaire. C'est une grosse étape dans une vie. Enfin, c'est pas une grosse étape genre comme un mariage, là. Wow! C'est une étape qu'on doit tous surmonter à un moment donné dans notre vie. Peu importe si tu vas pas à l'école puis tu fais l'école à la maison. Ça, respect. Mais on parle des personnes qui sont dans des écoles publiques ou privées. Alors, moi, quand j'étais en 6e année, j'ai fait une sortie de fin d'année, puis là après qu'on est on avait bien du fun puis tout ça, puis là qu'on est revenu, c'était déjà la fin de l'année, ça allait tellement vite, puis là j'ai pleuré ma vie, genre mes yeux étaient rouges, genre rouges comme cette bouteille, rouges, ok, mes yeux, ils étaient full rouges, parce que j'ai pleuré tellement fort parce que j'allais plus revoir mes amis, puis je sais que on va tous vivre par là, il y a des personnes qui vont pas pleurer, il y a des personnes qui vont pleurer, il y a des personnes qui s'en foutent un peu parce qu'ils n'ont pas d'amis. Mais bref, les personnes qui ont des amis, là, laissez-moi vous dire que c'est pas grave, ok? Même si tu passes du secondaire puis tu vas pas nécessairement voir tes amis, tu vas t'en faire des amis. Puis si dans la vie, tu sépares jamais tes amis, excuse-moi de te dire ça, mais dans la vie, tu vas toujours te séparer de tes amis, d'accord? Dans la vie, il faut faire des choix. Puis parfois, les amis, c'est pas toujours le choix numéro 1 à prendre. Parfois, les amis, c'est le choix numéro 2. Puis le choix numéro 1, en face de toi, c'est une grosse opportunité. Puis le choix numéro 2, c'est rester avec tes amis. Et c'est pas une très grande opportunité. Enfin, je vais offenser mes amis. Écoutez, tous mes amis qui vont regarder cette vidéo, je vous aime, hein. Bref. Alors, pour vous parler. Alors, laissez-moi vous dire que le passage secondaire primaire, c'est une petite... C'est pas une grosse chose dans une vie. Ok, mais c'est pas une petite chose non plus. Genre, c'est une chose moyenne. Et on doit tous l'affronter, d'accord? Alors, ayez pas peur, d'accord? Faites pas une crise nerveuse, ok? Tombez pas en dépression, d'accord? À cause que vous changez d'école, vous allez au secondaire, d'accord? Ok, parce que aller au secondaire, là, c'est pas une chose tant horrible que ça, d'accord? T'inquiète pas, ça va bien aller. Et pour les personnes qui vivent en France, là, ok? Du passage au primaire, au collège, ok, ne t'inquiète pas, ça va bien aller, d'accord? T'as pas à stresser puis faire... Non, ok, calme-toi, ok? Parce qu'on veut toujours se faire des nouveaux amis dans la vie, ok? Que jamais, une fois, on va jamais se faire d'amis. Enfin, si tu restes tout seul puis que tu parles à personne, puis à chaque fois que tu parles à quelqu'un, ben, t'es comme un creep. Peut-être que tu vas jamais avoir d'amis, mais tu sais... Ça, c'est pour des cas différents. Par exemple, si t'es genre ouvert, puis tu te fais plein d'amis dès le premier jour d'école secondaire, mais tu vois, là, tu vas te dire, Manu, elle a toujours raison, parce que c'est le cas. Mais là, on va parler pour les gens qui ont peur de se faire des amis. Pour les gens qui ont peur de se faire des amis, ok, t'as juste à aller voir les personnes autour, ok? Il y a plein de personnes dans ton école secondaire qui ressentent sûrement la même chose que toi, ok? Il y a plein de personnes qui se disent « Oh my god, est-ce que je vais me faire des amis ou pas? » Mais va voir ces personnes-là, puis là, vous allez être amis. Puis là, ces personnes-là vont plus soucier, puis vont dire « Je me suis fait un ami », puis toi, tu vas te faire « Je me suis fait un ami ». Fait que là, ça va être un double match. Fait que, fais-toi des amis, d'accord? Parce que tout le monde dans l'école secondaire, enfin, pas dans l'école secondaire, mais tout le monde en première année de secondaire, il y en a qui se connaissent, ok? Mais on parle pas d'eux. On parle des personnes qui se connaissent pas, ok? Presque tout le monde dans secondaire 1 a pas d'amis, ok? Alors t'inquiète pas, tu vas pas te faire d'amis. Il y a bien un jour où tu vas te faire un ami, d'accord? T'inquiète pas. Et même si tu crois que tu vas partir du primaire, ça va être la fin du monde et tout ça,
Puis je veux plus revoir mes professeurs. Pour les personnes qui pensent ça, là, je vous comprends pas parce que... Enfin, en même temps, mes professeurs étaient cool, mais tu sais, dans la vie, faut avancer, là. Tu vas pas rester pour toujours au primaire. Puis crois-moi, quand tu vas être genre plus haut dans le secondaire, puis tu auras regardé cette vidéo, puis tu vas faire... Manu, merci. Merci parce que grâce à toi, ma rentrée s'est passée mais méticuleusement bien. Ok? Allez voir des conseils sur YouTube, comment vous faire des amis, d'accord? Si vous êtes vraiment désespéré au point d'aller le faire, ok? Mais sinon, si vous vous faites confiance et que vous dites, ok, je vais me faire un ami, je vais me faire un ami. De toute façon, je suis sociale, je parle à tout le monde, même ceux dans l'autobus, ceux que je connais pas puis que je reverrai plus jamais après. Voilà, vas-y, fonce, ok? Tout ce que tu as à faire, c'est dire allô, ah wow, j'aime ta chemise, même si tu la trouves laide à mourir, ok? Dis-le, puis là, après, la personne va faire ah, merci. Là, tu vas faire ah, ok, ah, ok. Fait que tu vas dans quelle classe, puis toi, tu vas ah, moi, je vais dans français, ah, moi, je suis dans maths, ah, moi, je suis dans la classe d'anglais, ah, moi aussi, ouais! Amis pour la vie, ça se passe comme ça, puis c'est facile à faire, ok? Faut pas capoter juste parce que t'as pas d'amis, parce que dans la vie, les amis vont toujours arriver. Même si tu penses que t'es tout seul au monde, ok? Il y a toujours une personne que tu vas te faire en ami, ok? Puis pour les personnes qui disent, c'est pas bien d'avoir des milliers d'amis. C'est vrai que c'est pas très très bien, parce que dans ma vie, j'ai déjà eu des milliers d'amis, d'accord? Il y en a forcément une là-dedans. Je veux pas vous briser le cœur, mais il y en a forcément une là-dedans qui est pas une fake friend. Genre, c'est comme ça partout, d'accord? Pour les personnes qui comprennent pas l'anglais et qui sait pas c'est quoi fake friend, ça veut dire faux ami, genre un ami qui est pas vrai, genre, qui est pas fidèle à toi, qui sera pas gentil, puis qui va pas t'écouter, d'accord? Ça, c'est un fake friend. Alors, oui, ce serait bien d'aller plus, genre, par qualité au lieu d'aller par quantité. Parce que c'est mieux qualité que quantité. Quand t'as beaucoup, beaucoup d'amis, mais qui sont tous contre toi, puis qui parlent dans ton nom dès que t'es parti, tu sais. Change d'amis, ok? Parce que là, yeah, change d'amis. Alors, si tu vas plutôt par qualité au lieu de quantité, tu vas avoir des bons amis. Trois amis, ça suffit. Un ami, ça suffit. Deux amis, ça suffit. Mais trois, si t'es ami avec toute l'école, il y en a au moins un dans l'école qui va te trahir un jour. Excuse-moi de te dire ça comme ça, là, mais c'est... Alors, si tu y vas par quantité, d'accord? Moi, dans ma vie, je me suis toujours... promener avec 4 ou 3 amis, d'accord? Je me suis pas promenée. Enfin, j'étais amie avec toute l'école, mais tu sais, j'étais pas collée à eux là, non plus, hein. J'étais pas collée à eux non plus, puis je leur confiais pas tous mes secrets, là. Je confiais mes secrets à des amis qui étaient plus proches de moi. Les autres, je disais, allô, comment ça va? Puis ils disent, ça va bien, puis après, on retourne de nos côtés. Ciao, ciao, on se parle demain. Voilà. Ceux qui vont par qualité, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que quand tu vas par quantité, par quantité, t'auras au moins plus de 2 ou 3 amis qui seront des fake friends. Puis si tu veux par qualité, t'auras 3 amis fidèles à toi qui seront toujours amis avec toi. Peut-être pour le reste de votre vie, on sait pas. Mais tu auras toujours, ils seront toujours là pour toi, tu seras toujours là pour eux. Puis ça, c'est la vie. Alors, j'espère que t'as aimé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu. Si tu trouves que ma chaîne est intéressante, n'oublie pas de t'abonner. Et je suis vraiment désolée, je vais sortir des vidéos plus souvent si je peux, d'accord? Mais voilà. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao! Can break about the heat.